Et bonjour à tous pour ce premier podcast, enfin podcast, n'importe quoi, pour ce premier let's play de l'année. Alors, ça n'empêche pas qu'on réfléchit toujours à cette question des podcasts, mais il faut qu'on trouve la bonne plateforme et tout. Écoutez, on espère vraiment que cette année vous apportera beaucoup de belles choses, que ce sera une année riche, avec plein de belles surprises, que ce soit sur Harry Potter, que ce soit dans vos vies personnelles, professionnelles. Voilà, nous on n'est pas des grands fanatiques du passage d'une année à une autre. On est beaucoup plus team Noël que team Nouvel An. Mais ça n'empêche, voilà, de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses et d'espérer, voilà, que cette année sera, on va le dire, à la hauteur de toutes vos espérances. On sait que là, on met souvent beaucoup d'espérance dans les nouvelles années. Donc du coup, on va espérer pour vous. Et on espère vraiment que voilà, ça va être une belle année. Donc aujourd'hui, on va faire un petit let's play, un peu tranquille. On va essayer de faire quelques quêtes annexes. Vous vous souvenez, la dernière fois, donc on a fait la dernière épreuve de Pansine dans cette petite endroit absolument, ma foi, somme toute, très sympathique, auquel d'ailleurs nous n'avons pas accès. Mais ce qui est très cool, c'est que maintenant, bon, c'était pas lui que je voulais sortir, c'est pas grave. Mais ce qui est très cool, c'est que maintenant, on a un Grabcorn. S'il veut bien sortir. Si on allait se promener un peu. Ouais, franchement, il est stylé. Donc voilà, on avait fait la dernière épreuve de la Pansine, mais comme vous le savez, on est un peu juste en termes de niveau. On est toujours au niveau 35. Bon, faudrait au moins qu'on progresse d'un ou deux niveaux pour aborder un peu sereinement la fin du jeu. Et là, c'est vrai que pour l'instant, bah, on en est encore un petit peu loin. Donc on va essayer là, de se balader un peu, de faire éventuellement une ou deux quêtes annexes, de regarder un petit peu ce que la vie a à nous offrir, comme on dit. Et je pense qu'on va trouver des trucs assez cool à faire. Donc voilà. J'aime bien la bestiole, mais c'est vrai que ça va pas être ce qu'il y a de plus pratique pour se balader et pour faire, entre guillemets, plein de choses. Alors là, on sait qu'il y a une épreuve de Merlin et qu'on a quelques ennemis qu'il faudrait... Voilà, ça a été vite réglé. Rébellion. On a toujours plein de choses à faire. Non, c'est vrai que ta progression de niveau en niveau, surtout quand on arrive vers la fin du jeu, elle est parfois un peu laborieuse, un peu capricieuse. Ça met un peu de temps, parce que justement, on vous pousse à faire en fait bah, tout un tas de quêtes annexes. Alors, à la fois, c'est totalement logique, et si ce ne serait pas le cas, on serait les premiers hurlés. Mais du coup, c'est vrai que bah, parfois, ça retarde un petit peu nos échéances de jeu. Et voilà. Après, c'est vrai que vous, ça vous permet de quand même découvrir en profondeur le jeu, ce qui était de toute façon notre volonté aussi quand on s'est lancé dans ces let's play. Hein. On voulait pas faire un espèce de truc ultra rapide. On passe un peu notre temps à courir. On voulait vraiment vous faire quelque chose où voilà, on n'était pas dans le speed play. On était vraiment. Je crois savoir où se trouve Doran. Rejoins-moi dans la forêt. Ah bah voilà. Pour lui parler du symbole créé par les Vaux de Lune. Voilà une super quête à faire. Donc on va faire ça. Bon, on va terminer ça quand même. Et puis après, on va aller voir Poppy. Oui, donc on vous disait, voilà, nous on voulait pas faire du speedrun. L'intérêt, c'est pas de finir un jeu en 7 ou 8 heures. Enfin, nous, c'est toujours un truc qui nous étonne un petit peu. Parce que c'est pas du tout dans notre pratique de jeu. Nous, on adore prendre le temps. On adore se balader. Et pas que sur ce jeu-là, d'ailleurs. C'est aussi le cas sur tout un tas d'autres jeux. Donc voilà, ah oui, là il y avait déjà un bug. Ils n'ont pas réparé. Voilà, c'est vrai que nous on aime beaucoup prendre notre temps. On n'a pas envie de se presser. On a attendu le jeu suffisamment longtemps. On va devoir attendre au parc des Cassis suffisamment longtemps aussi, le 2. Donc au final, bon, vous voyez, pourquoi se presser quand on a le temps? Voilà. C'est réglé. Une petite épreuve de Merlin en plus.
Et donc on va aller voir Poppy. Alors on va essayer déjà de se rapprocher un petit peu d'elle. On va déjà voir où elle se trouve. Rejoindre Poppy dans la forêt interdite. Rejoindre Poppy dans la forêt interdite. Ok, hop, alors, donc carte. À quel niveau se trouve-t-elle dans la forêt interdite? Parce que c'est grand la forêt interdite. Ah, d'accord. Bon, on va voyager jusque-là et ensuite on va y aller à pied. Des bruits. Ça fait très Doctor Strange. Là, je crois qu'il y a les trucs. Faudra peut-être qu'on y retourne. Il me semble qu'il y a les. Poppy avec notre centaure préféré. Et vous dites qu'ils sont apparus lorsque vous avez placé la pierre de lune. Savez-vous pourquoi? Ou ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un rapport avec les vivets? Le savoir d'une personne peut être aussi vaste que l'océan, mais aussi peu profond qu'une flaque d'eau. Quel plaisir de vous revoir, Doran. Poppy vous a-t-elle raconté tout ce qui s'est passé? Oui. Et je suis heureux de voir que vous êtes de retour indemne. Je me suis demandé s'il était sage de vous envoyer sur cette voie, à un moment où elle était au mieux inconnue, au pire, mortelle. Mais la clairvoyance des centaures n'est ni personnelle, ni partiale. Les cieux nous disent ce qui est à venir. Et souvent, nous ignorons ce que nous avons vu jusqu'à ce que cela se produise. Vous saviez que les braconniers essaieraient de nous tuer, Poppy et moi? Je l'ignorais. Mais je dois dire que cela ne m'a guère surpris. De la même manière que je m'attendais à notre première rencontre. Vous pourriez peut-être reprendre du début. Cela nous serait bien utile à Poppy et moi. Bien sûr. C'est souvent le meilleur endroit où commencer. Il y a de très nombreuses lunes. J'ai prédit une série d'événements. Sa signification m'a longtemps échappé, jusqu'à ce que vous me parliez des vivets et des braconniers. Je pense que le symbole créé par la danse des Vaudelunes marque. Je n'ai vu ce symbole qu'une seule fois, sur un rocher des falaises de la forêt. Vous devriez vous dépêcher. Les vivets qui y sont depuis tant d'années ne sont peut-être plus en sécurité. Vous dites avoir prédit une série d'événements avant que nos chemins se rencontrent. Lesquels? J'ai vu l'arrivée d'un inconnu, la menace d'un ennemi et le retour d'un vieil ami. Je crois deviner que vous êtes l'inconnu. Les braconniers sont l'ennemi et les vivets sont les vieux amis. J'ai également vu deux endroits liés à ces événements. La grotte avec la pierre de lune et le cromlech. Ce dernier était éclairé par la lune. Comment êtes-vous sûr que le symbole marque l'emplacement des vivets? Ce n'est pas quelque chose que je sais. Je l'ai lu dans les étoiles. Le destin suit son propre cours. Je ne suis qu'un humble messager. Mais la fortune est de notre côté aujourd'hui. Le fait que je reconnaisse le symbole que vous me montrez n'est pas une coïncidence. C'est le destin.
D'accord. Si vous avez raison au sujet de cet endroit, nous devrions y aller. Je vous retrouverai là-bas. On ne peut pas se permettre de perdre à nouveau les vivets. Revelio. Revelio. Alors, en vrai, ça, c'est une quête qui est super sympa. Enfin, nous, on aime beaucoup. Qu'on trouve vraiment assez cool. Et vous allez voir que, franchement... Il y a des choses plutôt sympathiques. On va sélectionner la quête et c'est parti. On va regarder, là je vois qu'il y a un petit peu de magie ancienne qu'on va faire quand même. Rébellio. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Confrigno. C'est un peu flippant, mais ça va aller. Revelio. Mais il n'y a jamais personne non plus pour te voir en fait. C'est le drame. Et ça aussi c'est dramatique. Rébellion. Tout le monde en a eu pour son argent, c'est bon. C'est super creepy, mais c'est stylé. Hop. Alors, du coup. Donc, faudrait qu'on aille jusqu'ici. Donc, je vais me déplacer jusque là. Et ensuite, on ira. À pied. Revelio. Bienvenue, bienvenue. Rebonjour, monsieur Thistlewood. Je n'y suis, moi. Alors, comment... Que proposez-vous à l'avant? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors déjà, tu vas m'acheter tout ce dont je n'ai pas besoin. Et en fait, merci. Je ne vais rien t'acheter. J'espère vous revoir bien. Rébellion.
Leviosa. Revelio. Bienvenue, bienvenue. Si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est ça. Oups. C'est absolument pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Juste s'assurer qu'elle aille bien dans le bon trou. Et c'est parti. Correct. Parfait. Alors, allons voir tout ça. Rébellion. C'est remarquable. J'ai fait aussi vite que possible. Tu vois le symbole au-dessus de l'entrée? C'est celui que les Vaudelunes ont fait au Cromlech. Bien sûr, Doran l'avait suggéré, mais de le voir là-haut... Est-ce que ça pourrait être l'endroit où les vivets sont cachés? Eh bien, on va voir. Doran nous attend non loin d'ici. Alors, allons-y. Tu arrives à y croire? Rébellion. Vivets en chair et en os. Je suis ravie de voir qu'on a une longueur d'avance sur les braconniers. C'est bizarre qu'on ne les ait pas vus. Avec un peu de chance, ils continuent d'examiner les recherches de grand-mère. Lumos. Et ils ont quoi faire. De toute façon, Doran était là pour nous guider. Même si les braconniers finissent par trouver cet endroit, on devrait être partis depuis longtemps. Lumos! Revelio! Lumos! Lumos! Bonjour. J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre trop longtemps, Doran. Pas du tout. Cela dit, ce n'est pas moi qui vous attendais. Avez-vous la pierre de lune? Oui. Parfait. Elle est tout aussi importante pour la suite que vous deux. Que se passe-t-il ensuite? À quoi servent ces piliers? Un dispositif de sécurité, j'imagine. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et... Vous savez peut-être mieux que quiconque comment procéder. Ah, ça c'est stylé. Oh, on a le soleil et ce signe qui sont éclairés. Ce n'est pas le cas des autres. Je me demande si les piliers peuvent bouger. Où se trouve le soleil? Le soleil est là. Bien que ce soit celui-là qui est très mal indiqué. Action.
Attention. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Peut-être qu'il faut inverser les choses. On va voir. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Action. Ça, c'est pas tout simple comme histoire. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Oui, mais ça apparaît pas très clairement en fait. C'est que ça résout pas mon problème. Action. Ça a peut-être un rapport avec la lumière et les ténèbres. Ouais, ça y est, j'ai compris. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bête. Je trouve le soleil. Ça
un cadran ouvert. Ça va m'éliminer le soleil, ça. Action. Animation à tous ceux qui se cachent derrière ce passage. J'ai bien peur de devoir vous quitter. Du moins, pour le moment. Revelio, vous ne venez pas avec nous? Si les vivets sont bien ici, le troupeau de centaures voudra sûrement le constater par lui-même. Surtout Elec. Continuez sans moi. Je vous rejoindrai dès que possible. Lumos. Lumos. Colossal. Confino. Lumos. Revelio. Regarde les fresques sur les murs. Elles représentent toutes des créatures. Cet endroit a dû être construit pour les protéger. Ils n'avaient rien Une à scène. Qu'est-ce qui fait dire ça? Le camp de braconniers était toujours oppressant. C'est dur à expliquer, mais la tension était palpable. Du moins pour moi. Revelio. J'éprouve un sentiment de sécurité et de calme ici. Tout l'opposé du camp de braconniers. C'est vrai. Il y a tellement de livres. Ce n'est rien comparé aux recherches de ma grand-mère. J'ai pas l'air si vieux que ça. Revelio. Ça fait un peu urbex, mais... avec des petites peintures encadrées pour la salseur de monde. Alors cet arbre a poussé, hein. Sacrément poussé. Bombarda. Revelio. Kikindo.
paraissait trop beau pour être... Révélio. Comment sortir d'ici? Déjà, on va commencer par là. Lumos. La musique est stylée là aussi. Confringo. Lumos. Revelio. Lumos. Cet endroit a dû être créé par un grand lecteur. Et tous les livres sont sur les créatures. Ta grand-mère aurait adoré. Tout à fait. J'ai hâte de tout lui raconter. Stylé. Bien très stylé. Sûr. Très ingénieux. Réveillon. C'est incroyable. Ça c'est fait. Oh. Thank you.
côté où ça. Un peu d'aide. C'était de justesse, mais vous n'avez rien. Ça passe. J'espérais revenir avant qu'il ne soit trop tard. Tout va bien, Revelio. Mais si vous n'étiez pas arrivé à temps, je les ai conduits jusqu'ici, Doran. Vous avez combattu à nos côtés contre votre espèce. Je suis heureux d'en avoir parlé. Je crois maintenant ce que Doran. Finis ce que tu dois faire. Tous les événements que tu as prédits ne se sont pas encore produits. Juste bien ramasser tout ce qu'on doit ramasser. Revelio. Je sais pas comment on a d'argent, mais bon, tant jamais, si des fois on oublie les choses. Ah, les voilà. Et voilà ce qui est à l'origine des vifs d'or. Désormais, il ne nous reste plus qu'à rompre le sort. Vous voulez qu'on le fasse ? J'ai toujours souhaité qu'il soit en sécurité. C'est chose faite. L'honneur te revient. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et dès que le monde apprendra qu'ils sont réapparus... Il ne leur sera fait aucun mal. Les centaures vont s'en assurer. Faites-nous confiance. Merci, Doran, de nous avoir aidés à les trouver, et aussi de vous battre pour eux. C'est à toi que revient tout le mérite, jeune fille. Tu as fait ce que les braconniers ne feront jamais. N'oublie jamais ça. C'est superbe.
En fait, les quêtes avec Poppy, elles sont toujours très belles. Il y a une douceur et une beauté dans le personnage qui est quand même sympa. Vous avez combattu avec courage. Nous allons prendre le relais maintenant. Doran, si vous êtes d'accord, j'aimerais rester et passer un peu de temps avec les vivés. Que 190 XP, on passe même pas le niveau 36. Revelio. Et je peux pas rediscuter avec Poppy. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? A priori, non. Ça fait rien du tout. Bon, donc là, grosso modo, on n'a plus qu'à ressortir. Mais franchement, c'est super. Mais après, là, vous voyez, c'est pareil. De telles créations, etc., à proximité de Poudlard et tout, sans que... On parle dans Harry Potter et tout, enfin, je sais pas. Là, c'est toujours moi le petit truc qui m'étonne un peu. Puis là, on a quand même l'impression que c'est des trucs qui sont pas si... pas si vieux que ça, quoi. Et tout a été abandonné. Parce qu'on a l'impression qu'il y avait encore des gens qui étaient là hier, quoi. C'est... Rebellion. Assez étrange. Mais bon. En tout cas, c'était une quête assez sympa. C'est une quête assez sympa. J'aime beaucoup Poppy. J'aime beaucoup ce personnage. Il y a une sensibilité, franchement, qui est bien trouvée, qui est attachante. C'est... Bon, c'est dommage parce qu'elle fait très jeune par rapport au reste. Par rapport au reste des élèves, mais ça reste, je trouve, un... Enfin, vraiment un des points forts. Toujours pas le niveau 36. Alors, j'ai une marque de magie ancienne. Confringo. Tu as libéré notre dragon. Il va pas t'en tirer comme ça. Il est rentré. Bombarda. Confringo. Confringo. Bombarda. Confringo. 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 Stupéfique. Toujours pas de niveau 36. Rebellion. Ça va devenir le running gang, vous savez. Comment passer ce niveau? On va bien y arriver au bout d'un moment, mais... C'est vrai que j'aimerais bien qu'on y arrive. Hop.
Parce que c'est vrai que voilà, faut quand même le faire quoi. Veuillez descendre pour entrer. Ah, d'accord. Et voilà, résolu. Réveillon. C'est vrai que je m'attends toujours à ce qu'il y ait un truc et à chaque fois en fait c'est rien, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de Poppy? Non, pas encore. Hop. Je peux pas voir combien il nous reste à gagner. Alors, on a réussi les défis par contre. On a vaincu 100 mages noirs. Sans araignée. On n'a pas encore réussi à tuer les exploits actuels. Ok. On va voir si Bobby nous écrit. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Bombardard. Protego. Revelio. Ça m'intrigue. Yes, niveau 36. Incroyable, comme ils disent. Apparemment, on avait déjà fait un truc comme ça. Rebellion. On va essayer quand même d'aller voir chercher le coffre, même si ça va être une énorme déception. As usual. Insane. Une casquette doublée de fourrure. Tout ça pour ça. Revelio. Ah, par contre, il y a l'air d'avoir une petite crotte en dessous. Donc ça, on va quand même essayer de la trouver. Ok, je vois l'idée.
Revelio. Ça. Quelques petits bugs de lumière. Revelio. Youpi, des lunettes étranges à monture d'argent. Voilà une très bonne surprise. C'est toujours un peu le problème du jeu, c'est que parfois, bon voilà, c'est déjà c'est toujours la même architecture, ça pour le coup, là-dessus, sur ces petits trucs-là, comme ça, j'en ai un peu marre, mais bon. C'est pas grave, il y a quand même encore une fois beaucoup de points positifs. Bon, du coup, on aura avancé sur Poppy. J'aurais bien aimé qu'on ait la conclusion, mais elle a pas l'air de vouloir nous parler pour l'instant. Venir. Le campement, mais il n'y a plus personne. Il n'y a pas une très bonne ambiance par ici. On peut toujours descendre voir ce que ça donne. Il y a la lumière. Alors, donc, on tourne à gauche, on tourne à droite. Revelio. Là, c'est déjà un peu plus intéressant. Bombarda. Même s'il y a des gros bugs de lumière. Revelio. Bombarda. Confingo. Et qu'on a probablement fait tout ça pour une écharpe clé anthracite. Bombarda! Incendio! Alors... Confrigo! Pourquoi ça ne prend pas feu? Je pense qu'on est à temps en plein bug. Bon, c'est pas grave. A priori, de toute façon, il n'y a plus rien à y faire. Hop. On a trouvé ce qu'il fallait trouver. Donc, on va dire dont acte. Bon. Ça n'aurait pas été le let's play le plus passionnant du siècle, mais on aura quand même terminé cette quête avec Poppy, donc sur les vivets d'or, ce qui est intéressant parce que ça nous remémore nécessairement tout le côté quand même assez cool et plutôt bien foutu. Du Quidditch à travers les âges, hein. On parle du Vivet d'or, enfin voilà, il y a pas mal de trucs comme ça, des petits clins d'œil
qui sont sympas. C'était une bonne idée parce que c'est vrai que c'est une créature qu'on n'a pas croisée dans Harry Potter et qu'on n'a pas encore croisée dans Les Animaux Fantastiques. Là, j'étais en train de réfléchir, mais non. On n'a pas encore croisé, donc du coup c'était assez cool. Donc voilà, bah écoutez, on va terminer dans cette ruine. Voilà, on va prendre le petit coffre. Et ensuite, on va donc vous laisser ici. On se retrouvera donc pour le prochain let's play. Bon allez, on se fait quand même ça. Normalement, il n'y en aura pas pour très longtemps. Ah ouais, non, je vous confirme, il n'y en aura pas pour très longtemps. D'accord. Inside. Et voilà. D'accord. Ah, pour moi, c'était un coffre. C'était un coffre assez inédit. Donc en soi, c'était réussi. Allez. Le coffre était inédit. Donc on va rester sur cette bonne note. Bon, on va donc ressortir d'ici. C'est dommage, c'était plutôt stylé. Je m'attendais à encore un truc de dingue, mais bon. Rébellion. Apparemment, il y aurait quand même une petite page quelque part. Et où est-elle? Dans la cheminée. Bon. Les gens du coin racontent que c'est un net de maison. Le portail un jour. D'accord. Bon. Ouais, c'était pas non plus long. On attendait une super histoire sur cette maison. Mais c'est pas grave. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau let's play. On continuera un petit peu à progresser pour bien aborder la quête finale. À très bientôt.